On va faire un goûter. Ah! Oh! Oh! Tu peux m'aider, Lily? Viens, Trotro, on sera mieux sous cet arbre pour goûter. On va manger du chocolat. On va partager. Le chocolat avec du pain, c'est bon. Oh non! C'est tout fondu. C'est normal, le chocolat, ça fond quand il fait chaud. C'est bon quand même, le chocolat fondu. Oui, mais ça colle. Tiens, rince-toi les mains, Trotro. Moi, j'ai encore faim. Pas toi, Lily? Des gâteaux à la fraise. Ah, ça va être bon. Une abeille! Ne bouge pas, Lily. Tu sais, les abeilles préfèrent les gâteaux aux petites filles. Oh, merci, Trotro. Tu m'as sauvée. Maintenant, j'ai soif. Je n'ai qu'un seul jus de fruits. Et moi, j'ai deux pailles. C'est rigolo de goûter sur l'herbe. Oh oui. Oh non! Il pleut! Notre goûter est fichu! On va être tout trempé! Mets-toi sous la nappe, Lily. Elle va nous abriter. Votre goûter, les enfants. Merci, maman. C'est bon de goûter à la maison. Trotro, tu me passes le crayon rouge, s'il te plaît? Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Alors passe-moi le jaune. Non, je vais en avoir besoin juste après. Bon, passe-moi le crayon dont tu ne te sers pas, alors. Non, ce sont mes crayons et j'en ai besoin pour mon dessin. Tu n'as qu'à jouer à autre chose, Lily. Touche pas au volant, il est fragile. Tu vas le casser. Non, pas celui-là, c'est mon préféré. J'ai envie de le regarder maintenant. Non! Pas ma trompette! Oh! Lily! Ah. Donne-moi mon avion! Tiens, et prends aussi ton ballon! Bravo, tu as gagné, Trotro! Tous les jouets sont tombés! Ce sont mes jouets! Eh bien, je vais aller prendre mes jouets! Ouais! Oh. Lily, tu peux me prêter tes rollers? Ah non! Je m'amuse trop bien! Oh, Lily,
laisse-moi essayer. Non, ce sont mes rollers. Je te prête tous mes crayons pour ton dessin. Non, je n'ai plus envie de dessiner. Tiens, je te prête aussi tout ça. Non, ils ne sont pas aussi bien que mes rollers. J'ai trouvé. Je te prête mon camion à roulettes et ma trompette pour faire le klaxon. D'accord. Un petit camion veut passer. Waouh, se prêter les jouets, c'est plus rigolo. Oh. Pauvre nounours, j'ai tout renversé. Oh nounours, tu as besoin de te laver. On a tous les deux besoin de se laver. D'abord moi. Et voilà, c'est fini. C'est mieux comme ça. À toi maintenant, nounours. Et voilà, c'est fait. Oh, ça n'est pas parti le chocolat. Trop, que fais-tu? Maman, regarde. Nounours a renversé son bol de petit déjeuner. En effet, qu'est-ce qu'il est maladroit ce nounours. Et qu'est-ce qu'il est sale. Il faut le laver. Je vais le mettre dans la machine à laver. Voilà, trop, nounours est tout propre. Nounours! Tu es un peu mouillé. Je vais te sécher. Ça ne sèche pas. Tu vas être bien au soleil. Tu auras chaud. Et tu sécheras vite. Ça va, nounours? Ça ne pince pas trop? Tu sens bon, nounours. Tu sens le propre, tu sens le soleil. Tu as vu, Lily? Aujourd'hui, Trotro a la tête ailleurs. Il pense à son amoureuse. C'est Nana, son amoureuse. Maintenant, il veut toujours jouer avec elle. La 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 la. Ah, Nana. La 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 la. J'aimerais bien qu'elle me regarde. La 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 la. Là. J'espère qu'elle voudra bien jouer avec moi cette fois. Youpi! Aïe! J'aimerais bien lui parler, mais je n'ose pas. J'aimerais bien qu'elle vienne jouer avec moi. Tu veux faire de la balançoire? Non, je vais me salir. Tu veux que je te prête mon vélo? Non,
je vais déchirer ma robe. Tu veux jouer avec ton ours? Non, j'ai ma maman. Tiens, c'est pour toi. Elle n'est pas très belle, ta fleur. Oh. Tu viens, Trotro? Tu fais un château? Eh bien oui, mais il n'est pas assez grand. La 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 la. Je m'ennuie toute seule. Ils ont l'air de drôlement bien s'amuser tous les deux. Dis Trotro, je peux jouer avec vous? D'accord. Et voilà, plein de sable pour un grand château. Ah. J'ai envie de prendre le petit coup de l'entrée du château et j'irai chercher un bon chien pour faire un drapeau. Et voici, mesdames et messieurs, l'incroyable Nounours qui va faire un numéro de trampoline. Doing, doing, doing. Bravo, 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 Nounours. C'est l'heure de dormir, Trotro. Attends, maman. Je lis une histoire à Nounours avant. Oui, Trotro. Nounours ne veut pas s'endormir si on ne lui lit pas une histoire. Tu sais lire, Trotro? Bien sûr que je sais lire. Un nounours, je sais bien lire. Pour lire, on prend une grosse voix comme ça. Là-bas, très loin, au milieu de l'Afrique. Je ne sais pas lire les mots en vrai, mais l'histoire, je la connais. Je sais tout ce qui se passe dedans. Très loin, au milieu de l'Afrique, un zèbre rencontre une girafe. Voilà, l'histoire est terminée. Tu ne dors pas, Nounours? Ça veut dire que l'histoire t'a plu. Je t'ai dit que c'était l'heure de dormir, Trotro. Tu veux que je te lise une histoire avant d'éteindre? Pas cette histoire, on l'a déjà lue. Il y a bien longtemps de cela, à l'époque des fées et des sorcières. Si Nounours est endormi, c'est parce qu'il n'aime pas cette histoire. Tu la lis moins bien que moi, maman. C'est vrai, tu lis très bien, mon fiston. Bonne nuit, Trotro. Mmh. Bonne nuit, Nounours. Mmh. Il est beau, mon cartable. 10, 7, 8. Lily, Nana, regardez, j'ai un cartable neuf comme les grands. Ah oui, il est beau, ton cartable. Tu veux jouer avec nous? On fait des concours de saut. Lily a tenu 8 tours et moi 6. Perdu, Trotro.
Mais non, c'est pas moi, c'est mon cartable. Venez, on va jouer dans le sable. Ça, on dirait que c'est la colline. Et voilà le château. Oh. 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 Trop, passe l'étoile derrière toi pour décorer la tour. Oh, trop. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu pourrais faire attention avec ton cartable. Bon, ça ne fait rien. Allons jouer au toboggan. Trop, tu vas à la vitesse d'un escargot. C'est parce que lui aussi a une petite maison sur le dos avec son cartable de grand. Yeah. Et maintenant, tu ressembles à une tortue. Aidez-moi, je suis coincée. Ah. C'est à cause du cartable. Mais trop, enlève-le pour jouer. Non. Moi, je veux garder mon beau cartable. Mana, je peux monter à côté de toi? Ah non, trop. Il n'y a pas assez de place pour toi et ton cartable de grand. Oh. On joue à Chabizou. Tap, c'est toi le chat. Mana, c'est trop beau, Chabizou. On est là, trop. Il est beau mon cartable, mais il me gêne pour jouer. Attention, voilà le Chabizou qui arrive. Oh. Mais il est crevé. Un petit hérisson. Oh, la boule de piquant a disparu. Bonjour, tu ne veux plus jouer? Tant pis, je m'en vais. Tu as peur? Tu ne veux plus jouer avec moi? Bonjour, Trotro. Tu as vu mon ballon comme il est beau? Chut! Mets-toi là, à côté de moi. Mais qu'est-ce que tu fais derrière cet arbre? Je joue à cache-cache avec mon ami. Regarde. Ah! Un petit hérisson, il est mignon. Oh, ballon. Oh, le pauvre. Il s'est caché. Mon ballon a dû lui faire peur. J'ai une idée. Suis-moi. On va offrir un cadeau au hérisson pour lui montrer qu'on l'aime bien. Regarde, ça doit être son papa. Ou sa maman. Oh, c'est bon. Aïe. Oh. Ouf. Dis Lily, tu me prêtes une de tes moufles? Tiens, trop. Comme ça, on peut les caresser, ça ne pique plus.
Je vais faire un gâteau, Trotro. Est-ce que je peux faire un gâteau, moi aussi? Bonne idée, mon Trotro. Pour faire un gâteau, il faut de la farine. Pour faire un gâteau, il faut aussi des œufs. Oh! Fais attention, Trotro, il n'en reste plus que deux. Pas facile de casser des œufs. Bravo, Trotro. Pour faire un gâteau, il faut du sucre. Un peu, beaucoup, mais pas trop, Trotro. Touille, touille, je fais de la patouille, touille, touille. Tiens, mon Trotro, le rouleau à pâtisserie. Et roule, roule, petit rouleau. Roule, roule. Des petits trous, c'est encore plus rigolo avec des fourchettes. Tic, 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 tic. Je vais mettre plein de bonnes choses sur ma pâte. De la sauce tomate, il en faut beaucoup. Du fromage râpé, comme s'il en pleuvait. Ça y est, mon gâteau est prêt. Ne touche pas au four, Trotro, c'est très chaud. Maman a mis mon gâteau au four, juste à côté du sien. Ça sent déjà très bon. Maman, maman, mon gâteau est cuit. Et voilà le très beau gâteau de Trotro. C'est papa qui va goûter mon gâteau en premier. Bien sûr. Il a l'air très bon. Ah. Ton gâteau, Trotro, ce n'est pas un gâteau. C'est une pizza. Une très bonne pizza. Oui, c'est la pizza de Trotro. On va bientôt dîner. Va vite mettre ton pyjama. Mon pyjama. Miam, miam. J'ai très faim. Viens, on va se laver les mains. Il est trop joli, le bisou de maman. Je n'ai pas envie de le laver. Oh! Oh! Le beau rouge à lèvres. Je vais jouer à me maquiller comme maman. Non! Non, nounours. Le maquillage, ce n'est pas pour les nounours. C'est rigolo. Avec la crème, ça fait tout blanc. Regarde, nounours, il y a plein de couleurs. On dirait un vrai déguisement. Trotro à table. Youpi! Viens, nounours, il y a de la purée ce soir. On est drôle, hein, nounours. Attends, tu vas voir.
une belle cape à rayures, un chapeau vert. Et hop, un parapluie bleu. Oh, mais c'est toi, Trotro ? Oui, c'est moi. Bonjour, les petits amis. Youpli, youpla, youplala. Je suis le clown Trotro avec mon ami Nounours. Oh. Bravo, tu es très beau, Trotro le clown. Oui, mais Trotro le clown a très faim. Ah, c'est le téléphone de maman qui sonne. Maman ne veut pas que je joue avec son nouveau portable. Tiens, Trotro, c'est pour toi. Pour moi ? Merci, maman. Tu fais bien attention, Trotro. Ce n'est pas un jouet. Oui, maman. Allô ? Trotro, c'est Lily. Est-ce que tu m'entends ? Allô ? Oui, Lily, je t'entends. Où es-tu ? Devine. Je suis dans un jardin avec un grand pommier. J'ai trouvé. Tu es dans mon jardin et tu téléphones avec le portable de ta maman. Attends-moi, Lily. Trotro, tu me rapportes vite le portable ? Oui, maman, juste le temps de trouver Lily. Maintenant, je suis près du pommier. Allô, Lily ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, Trotro, je t'entends. Je sais où tu es. Lily s'est cachée derrière le pommier. Bouh ! Lily ? Lily ? Mais enfin, Lily, où es-tu ? Devine. Ici, ça sent très bon. Ah, moi je sais, tu es dans la cuisine. Mais non, je cueille des fleurs. Des fleurs ? Ah, maintenant je sais où tu es. Oh. Oh. Ah non, Lily, c'est pas juste. Maintenant, je ne bouge plus. Allô ? Trotro ? Est-ce que tu m'entends ? Non, je ne t'entends plus. Allez, Trotro, lève-toi. Va voir au bac à sable, il y a une belle surprise. Une surprise ? Au bac à sable ? Oui, Trotro, il y a une fleur pour toi et une fleur pour Nounours. Nounours ? Où est Nounours ? J'ai perdu Nounours. Mais non, regarde donc au pied du pommier. Ah oui, tu as raison, c'est là que je l'ai laissé. Oui, le pauvre. Mais comment Lily sait-elle où se trouve Nounours ? Parce que je suis ici. Oh ! Et Nounours aussi. Hé, tu m'as bien eue. Allô ? Trotro ? Oui, maman, je t'entends. Ça y est, tu as fini de jouer avec mon téléphone ? Oui, maman, je dis au revoir à Lily et c'est fini. Allô, Lily, c'est Trotro. Oui ? Au revoir et à bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, je me déguise en tigre. Je rugis comme un tigre. Je saute comme un tigre. Je fais peur comme un tigre. Il me manque quelque chose pour faire un vrai tigre. Ah. Maintenant, je suis un vrai tigre. Je rugis. Je saute. Je fais peur. N'aie pas peur, Nounours, c'est normal, c'est effrayant, les tigres. J'ai faim, une vraie faim de tigre. Ne t'inquiète pas, Nounours, je ne vais pas te manger. Les tigres, ça ne mange pas les nounours.
Pour chasser dans la jungle, je sais comment faire. Et je sais avancer. Aïe. Chut, sans faire de bruit. Et surtout, sans me faire voir. Ça sent bon. Sauve-toi, maman, je vais te manger. Au secours, un tigre, au secours. Les belles crêpes. C'est bon. Mais qui a mangé mes crêpes? Toutes mes crêpes? Pas moi. Les tigres ne mangent que de la viande. Maman, tu aimes les bisous de tigre? Aujourd'hui, je me fais tout beau car Nana vient jouer avec moi. Trop, Nana est arrivée. Bonjour Nana. Bonjour Trotro. La 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 la. Tu veux voir mes jouets? Tu as vu cette trompette? Ça c'est mon ballon. Et ça, mon masque de tigre. Je préfère mes jouets à moi. Je vais construire un beau château pour plaire à Nana. Tu veux que je te construise un château, Nana? Oui, si tu veux. Ça sera notre château, d'accord? Il ne reste plus qu'à mettre un toit. Oh, tu es trop maladroit, Trotro. Je m'en vais. Si c'est comme ça, je vais faire une petite maison rien que pour moi. J'ai oublié mon sac à dos. Où es-tu, Trotro? Oh! Waouh! Quelle jolie petite maison! Elle te plaît? Beaucoup! Je peux venir dedans? Si tu veux. C'est notre maison à tous les deux. Elle est belle, notre maison, Trotro! D'accord, Nounours. Aujourd'hui, on joue à la dinette. On va faire de la soupe pour Nounours, pour Trotro, pour papa et pour maman. Et pour faire de la soupe, il faut aller ramasser les légumes. Pour faire une bonne soupe, il faut des pommes de terre.
Mais les petits cailloux, c'est très bien aussi. C'est bon les pommes de terre. Pour la soupe, il faut aussi des poireaux. Oh, j'ai une idée. Je vais mettre du fromage râpé. Ça sera encore meilleur. Touille, touille, touille. Oh, il faut du sel aussi. Plein de sel. Merci, monsieur le camion. Qu'est-ce qu'il manque encore? De l'eau. Surtout, fais très attention, Trotro. Il ne faut pas en renverser. Touille, touille, touille. Et voilà, c'est prêt. Je vais la faire goûter à Nounours, à maman et à papa. Papa, maman, venez vite goûter ma soupe. Tiens, papa, mange ma bonne soupe. Délicieuse cette soupe, Trotro. Tiens, maman, à toi de goûter. Non, ma soupe. Oh, quel dommage. Tu es vraiment maladroite, maman. Pour la peine, c'est moi qui vais faire la soupe pour le dîner, Trotro. Ouf. Heureusement, il en reste juste assez pour la faire goûter à Nounours. Je suis bien dans mon lit. Ce matin, j'ai décidé de rester au lit. Ton petit déjeuner est prêt, Trotro. On peut très bien s'amuser dans son lit. Comme jouer à l'explorateur, par exemple. Je suis dans une grotte mystérieuse. Trotro, ton petit déjeuner va être froid. Oh. C'est grand ici. Je vais jouer au cirque et regarder Nounours qui fait son numéro. Et un supérieur arrière. Deux supérieurs arrière. Ouais, bravo Nounours. Allez, encore une fois. Ouais, bravo Nounours. Je ne suis pas contente du tout, Trotro. Et maintenant, je suis sur un radeau pris dans la grande rivière. Trotro, je vais venir te sortir du lit. Oui. Plongeons. Nage, nage, nage. Trotro. Quel paresseux ce Trotro. Ouais.
rester au lit, c'est bien, mais jouer dehors, c'est encore mieux. Trotro, tu me passes le crayon rouge, s'il te plaît? Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Alors passe-moi le jaune. Non, je vais en avoir besoin juste après. Bon, passe-moi le crayon dont tu ne te sers pas alors. Non, ce sont mes crayons et j'en ai besoin pour mon dessin. Tu n'as qu'à jouer à autre chose, Lily. Non, Lily, touche pas au volant, il est fragile. Tu vas le casser. Non, pas celui-là, c'est mon préféré. J'ai envie de le regarder maintenant. Bravo, tu as gagné, Trotro. Tous les jouets sont tombés. Ce sont mes jouets. Eh bien, je vais aller prendre mes jouets. Lily, tu peux me prêter tes rollers? Ah non, je m'amuse trop bien. Oh, Lily, laisse-moi essayer. Non, ce sont mes rollers. Je te prête tous mes crayons pour ton dessin. Non, je n'ai plus envie de dessiner. Tiens, je te prête aussi tout ça. Non, ils ne sont pas aussi bien que mes rollers. J'ai trouvé! Je te prête mon camion à roulettes et ma trompette pour faire le klaxon. D'accord. Un petit camion veut passer! Waouh! Se prêter les jouets, c'est plus rigolo. Trotro, il y a du désordre dans ta chambre. C'est mes jouets. Oui, mais il y en a vraiment partout. Il faut en ranger un peu. Si tu veux, je t'aide. Non, je vais ranger tout seul pour te faire une surprise. Oh. Bon, les jouets, je les rangerai après. Oh là là! Comme la bibliothèque est mal rangée. Oh là! Encore tout ça. J'ai beaucoup de livres à ranger. Ceux que je préfère, je les mettrai sur l'étagère du bas. Au milieu, ceux que j'aime bien. Et tout en haut, ce que j'aime le moins. Celui-là, il est bien ou très bien? C'est trop difficile de décider. Je le ferai après. Oh, mais là aussi, c'est très mal rangé. Et hop, voilà un cube rangé. Hop, deux cubes rangés. Dernier cube rangé. Voilà. C'est drôlement amusant de ranger. Oh. Oh, mes dessins. Celui-ci, je l'aime bien. Celui-là aussi. Oh, le plus beau.
Ce coffre à jouets est en désordre. Allez, courage. Il faut tout sortir pour bien ranger. Oh! Mon doudou tout mou de quand j'étais bébé. Le doudou vole. Oh non, trop trop! Maman, tu sais, j'adore ranger, mais est-ce que tu peux m'aider pour finir? Oh là là! Au secours! S'il te plaît, j'aime bien ranger, mais à deux, c'est mieux. Ah, aujourd'hui, je suis musicien. Ah. Écoutez bien, les amis, je vais jouer de l'accordéon. Do, mi, sol. Ouais, superbe! Ah, c'est facile! Je plie, je déplie, je plie, je déplie. Bzoing, bzoing. Ah, c'est rigolo cette musique. Bzoing, 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 bzoing. Ne bougez pas. Ce spectacle n'est pas fini. Taratata! La trompette, j'adore ça. Il faut souffler dedans très fort. Encore plus fort. Ça vous plaît, les amis? Merci, merci. Ah, c'est fatigant de jouer. Mais j'ai encore envie de faire de la musique. Vous n'avez pas une idée? Mais oui, quelle bonne idée! Merci, Nounours. Ah, cette fois-ci, je vais faire encore plus de bruit. Ah, ah, oh, quelle belle casserole! Ça va faire un bon tambour boum badaboum. Boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Hein? Boum badaboum, boum, boum badaboum. Mais trop trop! Oh! Ah. Boum badaboum, boum. Je joue bien, dit maman. Tu as raison, il me manque quelque chose. Des cuillères. C'est comme des baguettes. Boum. Boum badaboum. Boum badaboum, boum badaboum, boum. Boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Bravo, Trotro, tu joues très bien du tambour. Boum badaboum, boum badaboum. Elle fait du bruit, la musique de Trotro. Et le prince embrassa la princesse. L'histoire est finie, Trotro. C'est l'heure de dormir maintenant. Reste encore un peu avec moi, papa, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Trotro? Tu n'es pas bien dans ton lit? Si, mais je n'aime pas être tout seul dedans. Tu n'es pas tout seul. Mouah. Nounours dort avec toi. Mais j'ai un peu peur, moi. Nounours, ça ne suffit pas. Maman a les pieds tout chauds et papa ronfle tout le temps. Ici, on est vraiment bien. Oh, notre trottro exagère. En plus, il prend toute la place.
Oh non, le revoilà. On va jamais arriver à dormir. Trotro est grand maintenant. Il doit comprendre qu'il doit dormir dans son lit. Papa, maman, où êtes-vous? Oh! Mais c'est pas votre lit! Oh. C'est fou ce que nous avons bien dormi! Sortez de là tous les deux! Alors, le loup repartit dans la neige. Et voilà, l'histoire est finie, Trotro. C'est l'heure de dormir maintenant. Alors pourquoi tu restes là? Tu ne vas pas encore me prendre mon lit cette nuit, j'espère. Bonne nuit, Trotro. Surveille bien ton lit. Bonne nuit, papa. Rar, rar, bou, bou, je suis un petit monstre. Rar, rar, rar. Oh. Rar. Bou. C'est moi le plus fort des petits monstres. J'ai une idée. Et voilà, mon joli château. Bouh. Tu m'as fait peur, Trotro. C'est moi, le petit monstre. En plus, tu as cassé mon château. Tu es méchant. C'est normal. Je suis le plus méchant des petits monstres. Je connais un vilain petit monstre qui n'aura pas de gâteau ce soir si sa maman n'a plus d'œufs. Les monstres ne mangent pas de gâteau. Bouh. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est moi, le petit monstre. Oh, oh, si je t'attrape, petit monstre. C'est rigolo d'être un petit monstre. Tout le monde a peur de moi. Grave, grave. Bouh. À qui je vais faire peur maintenant? Qu'est-ce qui se passe, Trotro? De quoi tu peurs comme ça? Dans le jardin, il y a une grosse araignée. Mon petit Trotro, tu n'as rien à craindre. Les petites bêtes ne mangent pas les petits monstres. Oui, eh bien, moi je veux plus être un petit monstre. Comme ça, je pourrais manger du gâteau. Trotro, tu me passes le crayon rouge, s'il te plaît? Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Alors passe-moi le jaune. Non, je vais en avoir besoin juste après. Bon, passe-moi le crayon dont tu ne te sers pas, alors. Non, ce sont mes crayons et j'en ai besoin pour mon dessin. Tu n'as qu'à jouer à autre chose, Lily. Touche pas au volant, il est frappé.
fragile. Tu vas le casser. Non, pas celui-là. C'est mon préféré. Oh. J'ai envie de le regarder maintenant. Non, pas ma trompette. Oh. Lily, ah. Donne-moi mon avion. Tiens, et prends aussi ton ballon. Bravo, tu as gagné, Trotro. Tous les jouets sont tombés. Ce sont mes jouets. Eh bien, je vais aller prendre mes jouets. Lily, tu peux me prêter tes rollers? Ah non, je m'amuse trop bien. Oh, Lily, laisse-moi essayer. Non, ce sont mes rollers. Je te prête tous mes crayons pour ton dessin. Non, je n'ai plus envie de dessiner. Tiens, je te prête aussi tout ça. Non, ils ne sont pas aussi bien que mes rollers. J'ai trouvé. Je te prête mon camion à roulettes et ma trompette pour faire le klaxon. D'accord. Un petit camion veut passer. Waouh, se prêter les jouets, c'est plus rigolo. Aujourd'hui, je vais m'habiller tout seul. Bah, où sont passés mes vêtements? Maman a oublié de préparer mes habits. Tant pis. Je vais les choisir moi-même. Il y a tout ce qu'il faut dans mon placard. Ça va être amusant de mettre plein de vêtements. Je commence par la culotte et le pantalon. Le t-shirt. Et après, le pull. Maintenant, les chaussettes. Enfin, les chaussures. Pas celles-ci, elles sont trop difficiles à mettre. Pas celles-là, elles font trop mal aux pieds. Les bottes, c'est ce qui est le plus facile à mettre. Hop, il suffit de mettre les pieds dedans, ça glisse tout seul. Quand on va dehors, il faut un manteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon bonnet, mes moufles. Maman les avait cachés là. Nounours aussi doit s'habiller. Et voilà, Nounours, on est prêt. Mais... oh là là, j'ai trop chaud. Oh, viens dans l'eau, Trotro, ça fait du bien. Mais... c'est vrai, on est en été. J'avais oublié. Maman m'avait préparé mon maillot de bain. Ah, ça va plus vite de s'habiller quand c'est l'été. Oh.
Je vais à la pêche aux crabes. Les crabes, on les trouve dans les rochers. Dans les trous où il y a de l'eau. En voilà un! Ah. Viens, petit crabe, dans mon seau, plein d'eau. Un coquillage, une coquille d'huître, un oursin. Attention, ça pique. Tiens, un coquillage à pattes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une moule? Et hop, dans l'eau. Une étoile de mer. C'est beau. Et hop, dans le seau. Oh, un poisson doré. Si je pouvais l'attraper. Oh, oh, oh. Et hop. Je rajoute des algues pour qu'ils se sentent bien chez eux. Je vais montrer mes trésors à maman. Oh là là, c'est lourd. C'est parce que mon seau est trop plein. J'ai une idée. Et voilà. Une grande maison pour vous. Ouf, il fait chaud. Je vais boire un petit peu d'eau. Ah, c'est de l'eau qui pique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de l'eau qui pique, c'est du crabe qui pince. Comment faire pour que Nana me regarde? Maman! Maman! Maman, comment faire pour que Nana m'aime bien? Eh bien, par exemple, tu peux lui faire un compliment. Oh, c'est quoi un compliment? Un compliment, c'est quand tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un. Merci, maman. Avant d'aller voir Nana, il faut que je m'entraîne à faire un compliment. Tu es vraiment le plus beau des nounours. C'est facile de faire un compliment. Joli ballon, comme tu es bien rond. Je fais des beaux compliments. Il faut que je trouve Nana. Monsieur le pommier, comme tu es grand et vert. Oh! Bravo, pommier, et merci pour tes belles pommes rouges. Miam, miam, elles sont bonnes. Merci. Et toi, la balançoire? Comme tu balances bien. Mais c'est Nana là-bas. Oh,
Je n'ose pas. Il faut que je m'entraîne encore une fois. Petite Marguerite, comme ton cœur jaune est joli. Bon, ça y est. Je suis vraiment prêt à faire mon compliment à Nana. Bonjour, Trotro. Comme tu es drôle. Tu ressembles à un poisson rouge comme ça. Est-ce que Nana m'a fait un compliment? C'est gentil, un poisson rouge. Nana m'a fait un compliment. Nana m'aime bien. J'adore faire du roller. Je n'en ai jamais fait. Ce qui est bien avec les rollers, c'est qu'on n'a pas besoin de ses chaussures. De Trotro le héros. Hein? Bravo! Oh. Oula! Et la chute de Trotro le héros. Tu as raison, Lily. C'est pas facile le roller. D'ailleurs, j'en ai assez, moi. Ce qui n'est pas bien avec le roller, c'est qu'on n'a pas ses chaussures pour rentrer à la maison. Ça y est, papa? Voilà, c'est bon à présent. Waouh, il est beau, mon sapin. Oui, et puis il va continuer de grandir comme toi. Ça y est, papa, je peux le décorer maintenant? Bien sûr, Trotro, mais je ne sais pas où maman a rangé la boîte des décorations. Et quand est-ce qu'elle revient, maman? Quand elle aura fini de faire ses courses. Moi, je vais continuer à préparer le dîner. C'est trop long d'attendre, maman. Voilà déjà une guirlande jaune, petit sapin. Et avec, tu seras bien au chaud. Et hop! Une décoration.
décoration. Les jolis colliers de maman. Très très jolies toutes ces boules de Noël. Les cravates de papa, ça fait des belles guirlandes. Des belles chaussettes pour le Père Noël. Une pour maman, une pour papa et une pour Trotro. La carte de mamie. Et voilà. Il manque quelque chose. L'étoile. Ah. Coin coin est jaune comme une étoile. Plus que toi. Et c'est parfait. Coucou, c'est maman. Oh. Oh. Le beau sapin. Le beau sapin. Oui, et c'est moi qui l'ai décoré tout seul. Il est superbe ton sapin, Trotro. Bravo. Il est parfait pour Noël. Il n'y a rien à changer. Sauf Nounours. Parce que la nuit, il doit dormir avec son Trotro. Bien dans les vagues. Oh oui, il nage très bien. Il nage comme un canard dans l'eau. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait de la pluie? De la pluie? Mais comment? Avec le tuyau. Attention, tu me mouilles. Mais Trotro, tu es déjà tout mouillé. Ah. Toi aussi, tu es toute mouillée. Oh, arrête, Trotro, arrête de m'arroser. Lily, regarde! Moi aussi, je nage comme un canard! Attends, j'arrive! Oh, et moi, je nage comme un poisson dans l'eau! Et mon poisson rouge, il a peut-être envie de nager avec nous? Ah. Il est beau, ton poisson rouge! Oui, et il nage comme un poisson dans l'eau! Attention, voici Maurice, le poisson rouge. Allez, nagez, monsieur le poisson rouge. Allez, Maurice, sors de ta maison. Regarde, Lily, comme il nage vite. Oh. Mais où est-il? Je crois qu'il est derrière toi. Oh, oui, il est ici. Oh, non, il nage vers toi, Trotro. Mais où est-il? Derrière toi, je crois. Non, je ne le vois pas. Il a disparu. C'est bizarre. Trotro, Lily, c'est l'heure du goûter. Ah. Viens, Lily, on va goûter. Et Maurice, le poisson rouge? Il s'est peut-être caché sous le canard. Wouah! T'as vu ça? Il nage et il vole. C'est un poisson volant. Mais tu sais, Trotro, je crois qu'il est bien mieux dans son bocal. Oui, c'est la maison du poisson rouge. Trotro, viens déjeuner. Mais je joue, maman. Viens vite, ça va refroidir. Tiens, Trotro. Oh non, j'aime pas le poisson. Je ne pourrai jamais manger tout ça.
J'ai trouvé. Je vais le cacher. Berk, où le mettre? Voilà, sous l'assiette. Ça va pas, ça se voit. Ça ne va toujours pas. Berk, ça ne va pas non plus. Tu as fini, Trotro? J'ai une idée. Maman, j'ai fini! C'est bien, mon Trotro. Voilà, je t'apporte ton gâteau. En attendant, remets ta serviette. Oh, comment je vais faire? Tiens, Trotro, voilà ton gâteau. Miam, miam. J'ai fini, maman, je vais jouer. Oh! Lily, Nana, coucou! Tu as un beau ballon, Lily. Allez, on joue à courir derrière. Ne pleure pas, Lily. Attends, mon mouchoir. Ah! Oh! Bravo, Trotro! Quel joli tour de magie! Bravo! Le magicien Trotro vous remercie. Je vais à la pêche aux crabes. Les crabes, on les trouve dans les rochers. Dans les trous où il y a de l'eau. En voilà un! Ah. Viens, petit crabe, dans mon seau, plein d'eau. Coquillage, une coquille d'huître, un oursin. Attention, ça pique. Tiens, un coquillage à pattes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une moule? Et hop, dans l'eau! Une étoile de mer! C'est beau! Et hop, dans le seau! Oh, un poisson doré! Si je pouvais l'attraper! Oh! Et hop! Je rajoute des algues pour qu'ils se sentent bien chez eux. Je vais montrer mes trésors à maman. Oh là là, c'est lourd! Hein? C'est parce que mon seau est trop plein. J'ai une idée! Et voilà, une grande maison pour vous. Ouf, il fait chaud. Je vais boire un petit peu d'eau. Ah, c'est de l'eau qui pique.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de l'eau qui pique, c'est du crabe qui pince. J'espère que Lily va bientôt arriver. Bonjour, Trotro. Viens vite, Lily. Je sais à quoi on va jouer. On va jouer à cache-cache. C'est toi qui comptes. Tu comptes jusqu'à 10. Tu triches pas. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je suis 7, bien cachée. 8, 9, 10. Ça y est, j'y vais. Je vois tes oreilles. Tu es derrière le fauteuil. Allez, on recommence. Tu comptes. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est sûr, elle ne me trouvera pas. 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Je vois tes pieds, Trotro. Tu es derrière le rideau. Oh non! Encore une fois, Lily. Oh. 1, 2, 3. Attends, elle ne me trouvera jamais. Peut-être par là. Trop, tu es découvert! Je vois encore tes oreilles. Elle est vraiment trop forte, cette Lily. S'il te plaît, Lily, laisse-moi encore une chance. D'accord. 1, 2, 3. Non, là c'est trop facile. Oui, l'armoire. Oh. Mais où peut-il bien être? Je ne sais vraiment pas où Trop se cache. Tant pis. Bon, je vais perdre. Yaou, j'ai gagné. Je ne te vois pas Trop, mais je t'entends, tu es là-dedans. Bon, on va jouer à chat. Tape, c'est toi le chat. Je vais t'attraper. Maman, je peux aller jouer dehors? Il pleut très fort, Trotro. Ce n'est pas une bonne idée, tu vas être tout mouillé. Oh, ça y est! Viens, Nounours. Il ne pleut plus. On va jouer dehors. Ce qui est bien avec les bottes, c'est qu'on peut marcher dans les flaques d'eau. On n'a pas les pieds mouillés. C'est rigolo, on est dans l'eau et on sent ses pieds tout chauds. On peut même sauter un peu. Même beaucoup. On peut même faire des glissades. Youpi! Une autre! Youpi! Ouais! J'ai de l'eau dans mon pantalon et même dans ma culotte. Oh, c'est froid!
Et à force de sauter, il y a un peu d'eau qui est entrée. Une dernière. Ouais. Cette fois, on est vraiment tout trempé. Et quand on est trempé, on est aussi glacé. Viens, nounours, rentrons au chaud. Tiens, il pleut encore. Mais tu es tout mouillé. Va vite te changer, te sécher devant la cheminée. Oh. Pauvre nounours, j'ai tout renversé. Oh nounours, tu as besoin de te laver. On a tous les deux besoin de se laver. D'abord moi. Et voilà, c'est fini. C'est mieux comme ça. À toi maintenant, nounours. Et voilà, c'est fait. Oh, ça n'est pas parti le chocolat. Trop, que fais-tu? Maman, regarde. Nounours a renversé son bol de petit déjeuner. En effet, qu'est-ce qu'il est maladroit ce nounours? Et qu'est-ce qu'il est sale! Il faut le laver! Je vais le mettre dans la machine à laver. Voilà, trop, nounours est tout propre. Nounours! Tu es un peu mouillé. Je vais te sécher. Ça ne sèche pas. Tu vas être bien au soleil. Tu auras chaud. Et tu sécheras vite. Ça va, nounours? Ça ne pince pas trop? Tu sens bon, nounours. Tu sens le propre, tu sens le soleil.